Yop les gars, c'est sorti le poste. Alors bon, on va parler de Fortnite. Fortnite est un jeu bien sûr qui me fascine. Bien sûr. Alors, bon, déjà on va parler du petit logo V-Buck. Ça vient pas de n'importe où, hein. Ça vient du mot Vindortech. V pour Vindortech. Et Vindortech qui vient de sauver le monde. Le Vindortech, c'est un artefact qui n'a encore, pour l'instant, qui n'est pas encore accessible. Enfin, ça se trouve, il va jamais être accessible. Mais bon, on voit bien parfois dans Sauver le Monde des logos V. Et c'est les logos Vindortech. Bien sûr, il y a l'épée Vindortech, je crois. Ouais, je suis pas non plus un pro de Sauver le Monde, donc rappelez-moi dans les commentaires. Et voilà. Alors les gars, bon, l'origine de Fortnite, c'est qu'en fait à la base Fortnite c'est un jeu d'horreur. Ouais. D'où vient Sauver le Monde? Mais bon, vu que Fortnite, ils avaient vu Call of Duty, ils avaient un Battle Royale et qu'il était complètement film, ils ont voulu un peu reproduire cette idée. Et donc c'est pour ça qu'on a eu le Fortnite Battle Royale, mais sinon à la base il n'y avait que Fortnite Sauver le Monde. Et les zombies, franchement, ils font peur. Et si vous voulez l'avoir, vous pouvez l'avoir. Il n'est pas gratuit, il coûte assez cher. Mais bon, je vous le conseille, ça va. C'est une partie du jeu qui est assez bien. Allez, je vous laisse avec le troisième. Alors bon, on va parler un peu des origines de... Pas des origines de Fortnite, mais l'histoire actuelle. Alors déjà, ceux qui savent pas, Fortnite... Et tout ce qu'une boucle, tu t'es au menu, tu lances une partie, tu meurs, t'es au menu, tu lances une partie, tu meurs, t'es au menu, tu lances, tu meurs, t'es au menu, tu lances, tu meurs. Voilà, c'est surtout la tempête, la boucle, au final. Et même le boss Genesis de la saison 5, qu'on peut voir, nous le rappelle que c'est une boucle. Donc voilà, je crois que ça va être la fin de cette vidéo. Et c'était les histoires des choses assez secrètes de Fortnite. Donc abonne-toi. Désolé si c'était court, mais quand même abonne-toi, lâche un like. J'ai pris du temps à faire cette vidéo, donc like, abonne-toi. Et voilà.